Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Les députés, monsieur le maire, cher Gilbert Annette, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants du secteur du logement, il y a eu beaucoup de discours passionnants, précis, des actes, des signatures, et voilà que je prends à mon tour la parole. Je ne sais pas si je serai original par rapport à ce qui a déjà été dit. Je voudrais d'abord saluer la présence de Patrick Cazal, qui est dans son gymnase, qui porte son nom, vous pouvez l'applaudir. Il nous rappelle à la fois, bien sûr, les heures glorieuses du hang tricolore, auxquelles la Réunion a tant contribué. Ce ne sont pas que des heures glorieuses, parce qu'elles se poursuivent de toute façon. Et puis qui est aussi, parce que c'est important dans une société, et notamment pour la Réunion, je me rappelle aussi l'exemplarité, l'engagement, l'effort, les valeurs du sport. Merci. Et quel gymnase, monsieur le maire, mais à la hauteur d'un tel champion. Mesdames, Messieurs, il y a quelques instants, j'étais avec votre maire, Gilbert Annette, et vos députés, Eric Amarex et Monique Orphée, au marché des Camélias, pour découvrir avec les deux ministres, pour redécouvrir l'une des belles facettes de votre vie. Et notre cheminement, les explications qui m'ont été données, m'ont permis de mieux me rendre compte de la réalité de la cité, de mieux appréhender tous les enjeux relatifs au logement et à la politique de la ville. Quel chemin parcouru ? En 2011, vous m'aviez présenté déjà les grands projets pour la ville de Saint-Denis. Je sais combien les villes de La Réunion sont en mutation permanente depuis plus de 50 ans et qu'il en résulte, comme on dit dans le jargon, un tissu urbain hétérogène. Certains quartiers sont insuffisamment équipés et d'autres montrent des signes de dégradation évidents. À cela s'ajoutent des mutations sociales importantes, la densification des villes et la fin de l'habitat pavillonnaire traditionnel qui ont contribué à brouiller les repères urbanistiques, culturels, mais aussi à affaiblir, et c'est un phénomène que l'on connaît dans toutes les villes du monde, à affaiblir donc les liens familiaux et la solidarité qui en découlait. Le poids de la jeunesse de la population, c'est bien sûr un atout, mais la blessure qu'est le chômage de masse font de l'insertion professionnelle la priorité pour les années à venir. Dans ce contexte hors norme, la politique de la ville joue un rôle majeur. Elle apporte une approche transversale qui fait souvent défaut aux administrations de l'État ou aux administrations municipales. C'est bien la philosophie de la politique de la ville, renforcer l'action publique et les moyens là où nos territoires et leurs habitants en ont le plus besoin. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau fait aux territoires ultramarins. D'ailleurs, je suis toujours étonné à la lecture de la presse locale, j'aime bien. On attend toujours d'un ministre, et a fortiori du Premier ministre, je ne parle pas du Président de la République, qui vienne avec des mesures, avec des annonces. Il y a eu des mesures et des annonces depuis hier matin. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est la bonne analyse, de ma part en tout cas, et du gouvernement, sur la réalité de la Réunion. Nous avons des politiques publiques au niveau national. Elles doivent se décliner partout. Mais
en tenant compte de la spécificité, bien sûr, et de La Réunion, et, cher Gilbert, de votre ville. Ces territoires ultramarins, par leur diversité, leur spécificité, je ne cesse de le dire, sont et seront toujours une richesse extraordinaire pour notre nation, et quels que soient les handicaps, les difficultés et les obstacles. Et l'ambition de la nouvelle politique de la ville, que porte Patrick Kanner et Myriam Connery, et avec la vigilance évidemment de Georges Collangevin pour ce qui concerne l'adaptation dans le territoire d'outre-mer, l'ambition de cette politique, c'est construire par le bas, en partant des territoires, avec leurs élus et avec leurs habitants. Et avec la loi du 21 février 2014, nous avons pris en compte vos réalités, chacune de vos réalités. La politique de la ville est l'une des principales politiques publiques ultramarines. 200 quartiers prioritaires ont été identifiés dans la nouvelle géographie, qui représente 600 000 habitants, soit un habitant ultramarin sur 10. Même si, ce maire, vous avez raison, si on appliquait les critères partout, c'est sans doute encore davantage que cette politique s'étendrait sur tous les territoires. Dans le domaine du renouvellement urbain, les Outre-mer, c'était 3,5% des subventions en rue du programme national de rénovation urbaine. C'est désormais, je le dis là aussi, commentateur, de l'ordre de 10% dans le nouveau programme national de rénovation urbaine, soit autour de 450 millions d'euros. On pourrait sans doute faire plus, mais c'est déjà considérable. D'ailleurs, moi je comprends parfaitement qu'on attende beaucoup de l'État, qui investit plus de 5 milliards d'euros ici dans La Réunion quand on consolide l'ensemble de la dépense publique. Et je regarde aussi comment les choses se sont passées au cours de ces 20 ou 30 dernières années. J'ai connu Gilbert Annette quand j'étais moi-même au cabinet de Michel Rocard et quand on a lancé une étape décisive pour la politique de la ville, signature du premier contrat de ville avec vous, monsieur le maire, à l'époque. Regardons les évolutions. Il y a bien sûr du chômage qui touche les jeunes, de la pauvreté et de la misère. Et il y a surtout, comme le disait le représentant du BTP, encore beaucoup de travail devant nous. Mais regardons en même temps ce qui a été fait. Alors, comme cela a été fait, je comprends bien sûr l'exigence, l'attente à l'égard des pouvoirs publics et nous devons être à la hauteur de cette exigence et de cette attente. C'est pourquoi la réforme que mon gouvernement a souhaité porter bénéficie aux Outre-mer. Les crédits d'intervention ont été augmentés en moyenne de 10%, notamment en faveur des associations, elles nous ont interpellés par rapport au projet, pour le financement de postes d'adultes relais. Le comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté du 6 mars dernier a amplifié cette évolution et donné une nouvelle impulsion à la mobilisation gouvernementale en augmentant de 12% le budget alloué aux interventions, associations et réussite éducative dans les quartiers ultramarins. Et La Réunion en bénéficie pleinement. Et je veux saluer la dynamique partenariale mise en place, parce que c'est le gage de réussite pour les habitants de Saint-Denis comme pour l'ensemble de l'île de La Réunion. Au-delà du quartier des Camélias et des enjeux de la politique de la ville elle-même, Saint-Denis de La Réunion s'insère dans un environnement urbain dont il faut tenir compte. D'un côté, je ne vous apprends rien, le port, véritable poumon économique de l'île. De l'autre, l'aéroport, ce hub aérien qui relie La Réunion à la métropole et à son environnement régional proche. Un chantier d'envergure a été lancé à l'ouest, celui de la nouvelle route du littoral. Il est nécessaire, je le répète. Mais rien n'a été prévu pour le raccordement de ce chantier à la ville de Saint-Denis. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas investir plus d'un milliard d'euros et ne pas se donner la peine d'anticiper les blocages qui résulteront de l'arrivée de milliers d'automobilistes dans une zone urbaine très dense et, je l'ai constaté, déjà bien embouteillée. C'est pourquoi l'État soutiendra en effet le projet de la nouvelle entrée ouest et qu'il participera financièrement via le contrat de plan État-Région, au premier crédit d'étude nécessaire, je demande à M. le Préfet d'y être particulièrement vigilant. Grâce à sa démographie dynamique, la population de La Réunion devrait atteindre le million d'habitants entre 2025 et 2030. Nous en discutions hier avec les parlementaires.
Cette croissance soutenue impose une augmentation du nombre des logements compte tenu de la problématique foncière de l'île, une densification urbaine. Elle pose la question donc de la mobilisation de tous les acteurs publics. Le plan logement pour l'outre-mer, signé par les ministres Sylvia Pinel, Georges Bolangevin et Myriam El Khomri, ainsi que par 13 autres partenaires, illustre la mobilisation sans faille, je crois, du gouvernement. Nous avons été à l'écoute, grâce notamment à la ministre qui était présente ici. Et il s'agit bien de relancer la construction et permettre aux ménages défavorisés de disposer d'un logement décent. L'État s'est fortement engagé dans le cadre de ce plan. Adaptation des outils nationaux permettant le financement du logement intermédiaire avec la bonification du dispositif Pinel, rénovation énergétique de l'habitat par la mise en place du crédit d'impôt transition énergétique et éco-PTZ, aide aux maires bâtisseurs, nouveau programme de renouvellement urbain. Ce plan doit désormais être décliné sous la conduite des préfets afin de l'adapter aux réalités de chaque territoire. La mobilisation des collectivités locales et en particulier des régions sera déterminante. En ce qui concerne la Réunion, ce plan s'intéresse plus particulièrement à la question foncière, à la réduction des coûts de la construction et à une meilleure prise en compte des besoins en matière de réhabilitation du parc locatif social avec un volet spécifique sur la professionnalisation des filières. La déclinaison du plan logement à la Réunion doit aussi être l'occasion de mobiliser et d'optimiser ces différents outils de financement en programmant au mieux les besoins sur tous les segments de la politique de l'habitat. L'État, et je le dis aux professionnels, restera à l'écoute des acteurs du logement à la Réunion afin de lever les freins à la relance de la construction. Car il y en a. J'étais sensible aux difficultés soulevées par les différents partenaires. Je pense notamment à la norme de 5% de LBU, en particulier sur certains produits de financement, à la nécessité de prolonger le crédit d'impôt et la défiscalisation après 2017, mais aussi à la réforme des APL. Ces questions sont connues du gouvernement et la situation particulière des Outre-mer sera prise en compte dans les réformes à venir et je souhaite que la prochaine loi de finances pour 2016, que nous préparons déjà, en soit la traduction concrète. Ne pas signer ce type de pacte, de document, se donner des objectifs et ne pas mettre en œuvre et ou en place les outils qui les accompagnent. Mesdames, Messieurs, j'étais heureux de signer ici à La Réunion deux documents majeurs. Mais il faut à présent les faire vivre. Je ne doute pas que l'ensemble de l'équipe municipale de Gilbert Annette saura donner toutes ses dimensions à ce contrat de ville. Je sais pouvoir compter sur l'engagement du préfet, de l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales, régions et départements, et de tous les partenaires pour faire du plan logement un véritable outil opérationnel en faveur des Réunionnais. Nous avons été, bien sûr, sensibles à l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé avec Georges Bolangevin et Patrick Kanner. Et à mon tour de vous dire que cette France de l'océan Indien, cette France métissée aux si belles couleurs, aux cultures si riches, nous l'avons vu sur le marché, constitue pour moi une des plus belles images de la République. Elle dit combien la France est grande et combien elle est belle, à condition qu'elle fasse toujours vivre en son sein cette belle valeur de solidarité qui est le garant de notre unité. Nous allons rencontrer en fin de matinée, Monsieur le maire, la jeunesse. Et bien sûr, l'école et l'avenir, la formation sont nos priorités. Nous l'aborderons avec la ministre de l'Éducation nationale. Et il y a des projets à porter et à développer, dont bien sûr celui de l'université. Ici, la Réunion a besoin d'une université qui croisse, qui prépare la jeunesse à des formations adaptées à la réalité économique, non seulement de la Réunion, mais de l'environnement régional, mais qui soit aussi un moyen d'attirer autour tous ceux et toutes celles qui pensent que la France peut continuer à former et à préparer l'avenir, en tout cas à travers ces deux documents, à travers ces signatures, à travers des difficultés, avec la lucidité nécessaire sur le travail qui reste à faire. Nous faisons un pas, je crois, important ensemble. Encore merci et bon courage pour tous les chantiers qui sont devant nous. Thank you.
Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.